anciennement Saint-Luc. Écoutez, d'abord, je voudrais féliciter pour vos élections, tout le monde, puis je vous souhaite un bon mandat. Les dossiers ne manqueront pas, les problèmes non plus. C'est un peu vrai dans nos sociétés aujourd'hui. C'est complexe et tout est complexe. Ceci étant dit, en septembre dernier, ce conseil avait adopté une résolution pour indiquer son inquiétude et l'inconfortabilité avec laquelle il se trouve face au chantier qui est dans la région de Iberville. L'Acadie, excusez, que nous avons sur la région où ce que je demeure, moi, dans le coin où on demeure, là, c'est pas mal l'enfer depuis quelques années. Et ça augmente tout le temps, tout le temps. Les activités sont de plus en plus grandes. Et c'est devenu assez infernal et c'est devenu désolant par période. Et on voit que pour 2014, il y aura des tournois internationaux encore. Et là, c'est plus un petit chantier pour s'amuser. Là, c'est une grosse business. Et il n'y a pas beaucoup de villes qui accepteraient, je pense, qu'un chantier puisse exister dans son milieu. Alors, nous avons soulevé cette question-là. Nous avons demandé au conseil de le garder. La résolution est adoptée. Je suis certain, M. le maire, que vous avez eu connaissance de ça. Vous l'avez pris connaissance. Et la raison pour laquelle j'ai intervenu ce soir, c'est pour demander au conseil de regarder ça sérieusement puis de garder ce dossier-là sur le dessus de la pile des dossiers, comme on dit, parce que pour nous, c'est important. On sait que la ville, et on n'a pas de raison d'en douter, que tout le monde ici, les conseils, les hommes et les femmes qui siègent au conseil, M. le maire, vous aurez certainement la préoccupation de la qualité de vie des gens. C'est une question de qualité de vie, c'est une question de bruit, c'est une question qui n'est pas bien, bien endurable maintenant. Alors, il y a peut-être des solutions à apporter, je ne sais pas, mais on souhaite que ça soit une des priorités que vous allez garder d'avant. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont travaillé. Mme Marcoux, qui est notre représentante, a travaillé fort dans ce dossier-là. Elle le connaît très bien. Elle peut certainement guider le conseil dans les orientations et les inconvénients auxquels les citoyens et citoyennes sont confrontés aujourd'hui. Alors, je vous remercie de nous avoir écoutés. Puis, bonne chance. Merci. Je prends bonne note, juste pour vous dire que j'ai demeuré 7 ans au 184 rue Godin, donc dans le secteur du Sceau-des-Noyers. Donc, je sais que les activités se sont accentuées, donc je suis très au parfum du problème que vous soulignez. Alors, merci de votre intervention.